Bonjour tout le monde. Alors, il y a une petite mise à jour de Lost Ark. Et après, ça va être très bon. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je suis comme vous. Je m'impatiente un peu. Il est long à lancer, le start. Franchement. Ok. Normalement, ça devrait se lancer. Et voilà. C'est parti. Un quart d'heure après. Merci Lost Ark. Donc le serveur Tortoise. Pour ma part, hein. Vous allez où vous voulez. Un seul perso, level 50, 259.16 e-level. Vous voilà. Bon. Bon, allez, hop, on y va. Ok, n'oubliez pas de récupérer vos événements et également les événements de connexion ici. Parce que ça, il y en a plein qui ont tendance à les oublier. Vous voyez, il y en a plein. Allez, on récupère tout. Vous voilà. J'aimerais bien qu'il m'enlève le truc rouge là, mais. Il va perdre tout le monde. Ok, pas grave. Bienvenue. Et on est parti. Alors on est parti où, ça c'est autre chose. Si vous regardez par ici, il faudrait que j'aille ici. On se balade un petit peu trop, je trouve. Il y a trop de aller voir machin, aller voir truc, aller voir. Moi franchement. Je trouve pas.
pas ça top top là. L'administrateur m'a dit que quelqu'un viendrait chercher l'arche. Ouais. Je vous laisse cette vidéo. L'œil de cet homme nous garde depuis que la race des Sikins est devenue celle que vous connaissez. Kroos disait qu'on ne pouvait pas compter sur les dieux. Mais moi, je crois qu'ils ne nous ont pas oubliés. Et cette arche en est la preuve. Ok. Jolie vidéo, j'en suis bien content. Il faut que je fasse quoi? Alors, là, ce que je fais, moi, j'ouvre la carte et je clique direct sur un point. Maintenant, vous pouvez le faire en direct. Donc, là, vous pouvez cliquer direct, mais vous ouvrez la carte. Enfin, là, ça va pas marcher puisqu'on n'est pas dans le bon endroit. Je vais vous le montrer après ce que je voulais faire. Ouais, là ça marche pas. Ok. Bon, bah, je vais vous montrer un petit truc, mais là c'est foiré. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Ce sera même pour dans 30 secondes. Voilà, là vous ouvrez votre carte. Et pour ceux qui ne savent pas, vous maintenez Alt appuyé et vous cliquez. Vous voyez, on a Alt plus clic gauche pour se téléporter. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui ne le voient pas. Je le vois trop sur d'autres vidéos. Où les gens ils ne savent pas. Donc on peut le faire à partir de la mini carte. Donc j'appuie sur tabulation uniquement. Voilà, c'est la petite info, la petite astuce du jour. Je suis pas là pour faire des tutos. Le verdoyeur est en danger. Laissez-moi vos avis d'ailleurs hein, sur le jeu pour ceux qui jouent. Bienvenue. Vous voilà. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Moi, je le trouve pas mal. D'un côté, je suis assez partagé. Et puis, d'un autre côté... D'un autre côté, c'est assez rébarbatif, quoi. Système de quête, etc. Ouais, c'est assez rébarbatif. Je sais pas trop. J'ai un avis mitigé, disons. Je vous laisse les vidéos. Pour ceux qui sont pas encore là. Donc, je vous rappelle, hein, c'est mon second... serveur, j'ai recommencé dû au lag et au fil d'attente sur les autres serveurs. J'étais sur Spectrum avant, ou Septrum, je sais plus, un nom comme ça quoi, un truc à dormir dehors là. Bah alors Béatrice, l'œil du désert rouge, passons à Agathon, l'arche de préscience. Je prie pour que l'avenir qu'elle perçoit soit radieux. Prie, prie, ma chère Béatrice, prie. Maintenant, on fait quoi, là? Merci, Anko. Tu vas bien? Bienvenue. Vous revoilà. Qu'est-ce que c'était que cette lumière? Que se passe-t-il? Ouais, t'as vu, j'ai eu l'affiliation là. Bon, c'est pas si mal. Tiens, il y a une quête ici.
Ouais, ça va, tranquille. Ouais, tu joues à ça, toi? C'est Henri, c'est ça, hein, quoi, hein? Ton nom de scène, c'est Henri. Ouais, merci Henri, c'est gentil. Et toi, tu joues à ce jeu, Henri? Ouais, t'as pas envie? Petite tâte, ouais, bah il est gratos, hein, tu sais qu'il est gratos, hein. Donc pour le tester, tu vois, c'est facile quoi. Tu le télécharges, point barre. Quoi. Pas de différence entre le jour et la nuit ici. Hé, hey Panda, comment vas-tu? La forme, Panda? Bienvenue. Que se passe-t-il? Ouais, ça va tranquille, ouais. Que se passe-t-il? Là, tu vois, je suis toujours sur... sur ce jeu là, mais je le trouve un peu rébarbatif par moment, tu vois. Je sais pas, je vais voir plus haut. J'ai déjà été plus haut, hein. J'ai hâte quand même de finir. Tu vas refaire le personnage, que tu sais, j'ai changé de serveur, ça m'a fait chier. Sur quel serveur? Je suis sur Tarkoï, un truc comme ça. Tu regardes le début du stream, je le dis, je le montre. Je sais pas comment on le voit, sur quel serveur je suis là. Je sais pas. Écoute, c'est serveur Europe de l'Ouest, donc je crois que c'est occidental, ça s'appelle, et t'en as qu'un qui s'appelle Tartokoy ou je sais pas quoi, là. C'est un nom à dormir dehors. Là. Ouais, sur la rediff, tu verras le départ. Justement, je le montre, le serveur au départ, tu vois. Après, à télécharger, il fait 60 ou 80 gigas, je sais plus. Dans le genre, mais ça va, ça dépend de la bande passante que t'as, mais bon, tu mets ça à tourner le soir, le matin tu l'as quoi. Même limite, tu vois, quand tu pionces ou quoi, tu le mets à télécharger si c'est en deux fois, tu vois, puis au moins tu l'as préparé quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le rédacteur, il est où? Il est là-bas. Et toi, Panda, toujours? On dit qu'il n'y a qu'une vérité, mais... Panda, je sais pas si tu m'entends. Ou si t'es toujours là, d'ailleurs. Oh, j'ai tant de choses à faire.
faut faire attention à mon marcheur. Vous avez lu le dernier tome de La Rose d'Acier ? Là, je vais essayer de choper le... essayer de finir pour avoir le sort ultime. C'est un sort qui se met ici, on appuie sur V pour le lancer. Et puis, normalement, après, t'as un jeton pour avoir un personnage gratos level 50. Direct. Donc ça, c'est pas mal. J'ai essayé de faire ça, là, aujourd'hui. Enfin, ce matin, il est presque 13h, mais... J'ai essayé de faire ça un poil. On va voir. Vous avez lu le dernier tome de La Rose d'Acier ? Moi, je sais plus quel cas c'est. Donc, trouver l'agent du paquebot. Waouh. Super clair. Il est là, ton agent du paquebot, je sais pas quoi. Là. À quoi d'autre ? Là, je joue à Warframe. Et puis sinon, je fais pas mal de... Je faisais pas mal de RP, là. Je me tâte à reprendre, tu vois, après ça. Sur 5M, tu vois. Pas mal d'heures sur 5M. Ouais, GTA, ouais. 5M, c'est GTA, ouais. Je sais pas, je vais voir, je vais peut-être essayer de me gauler un petit serveur là pour le mois prochain ou un truc comme ça. Tiens, il m'a donné un marin lui. Merci garçon. Bienvenue en Artélie. Faut que je prenne le paquebot, ouais, mais faut que j'aille où avec ton paquebot, là. Ouais, c'est bon. Parler à la mercenaire, ouais, ok. Tu testes, là, à l'heure actuelle, là, t'es en train de faire ça? En quoi? Tu fais ça, là? Tu essaies de trouver un serveur RP? Ah là t'es sur Ark. Ah ouais t'es avec Camuto non? C'est rare, vous ensemble là non? Ah ouais t'as un Discord pour GTA, ok ouais. Ouais, moi, quand j'en aurai marre, de jouer solo là, sur ce jeu, on a fait une guilde là, mais je sais pas s'il y a vraiment de l'intérêt de jouer en guilde parce que les groupes ils sont que à 4. Bon, après, je te dirai plus à haut niveau, hein. Mais là, je sais pas trop quoi. Là je suis solo, ouais. Bah là je joue solo, tu vois, mais ça va pas durer, hein. Mais voilà quoi. Bah sinon j'ai les potes qui jouent aussi, hein. Mais là le problème c'est que bah, les potes qui jouent en général, les potes, ben bah, ils jouent pas autant que moi, tu vois ce que je veux dire.
SWTOR, c'est quoi SWTOR? C'est un jeu? Je connais pas SWTOR. Ah ouais, Star Wars Old Republic, ouais. Ah ok, ouais. Paraît que c'était bien ça, j'ai pas joué à ça, mais paraît que c'était pas mal comme game, ouais. Ouais, c'est un bon MMO, ça, j'ai entendu dire, ouais. Mais il commence à se faire un peu vieux, je crois. Il est un peu bugué leur truc là. Ouais, 2013. Bah tu sais, ce jeu, il vient de sortir en France, mais en Corée, il est sorti il y a je sais pas combien d'années là. Après, bon, bah voilà quoi, faut... Moi ça me dérange pas de jouer à un vieux jeu. Warframe, tu connais Warframe, Henri? Ouais, c'est pas mal Warframe, mais tu vois, c'est un vieux jeu quoi, mais je trouve qu'il est pas mal quand même quoi. Il faut faire attention à mon marqueur. Vous avez lu le dernier tome de La Rose d'Acier? Moi j'aime bien les jeux comme ça, où ça se pique, tu vois. Une dernière ligne. Comme Warframe, tu vois. J'aime pas les jeux où tu dois tuer 2-3 mobs et puis tu repars faire des quêtes. J'aime bien quand il y en a plein, tu vois, à tuer. Mais Warframe, tu vois, c'est un shooter, c'est pas mal. Ça, c'est un mélange à Kensha, c'est le même mot, mais... Je te dis, moi, ce qui me décasse, c'est les phases de level up, comme ça, quand tu dois monter le perso. En plus, comme j'ai changé de serveur, ben, j'étais obligé de le faire deux fois, et je déteste ça, vraiment. Je veux bien faire 2-3 quêtes, mais là, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Vous avez lu le dernier tome de La Rose d'Acier? Bah long, non, hein. La première fois, j'avais mis... C'était pas énorme le temps, je me rappelle plus, un jour et demi ou deux jours pour monter 50. Et là, j'ai pris plus de temps, tu vois. J'ai pris le temps, hein. C'est pas quelque chose qui... C'est plus parce que j'avais pas trop envie de le faire, donc ben tu vois, j'ai traîné quoi. Mais qui a écrit cet article? On dit qu'il n'y a qu'une vérité, mais... Et toi, tu t'éclates bien sur Ark ou quoi? Plus que moi. Merde, en plus je me plante. Bienvenue. Ah ouais,
Tu veux des lag serveurs, Scrark? Ça, c'est vraiment chiant. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment chiant, ça. Bah, il y a un moment où, de toute façon... tous les jeux, de toute façon, tu te fais chier dessus. Mais alors, si t'as du ping... Enfin, tous les jeux, moi, je me fais chier dessus. T'as les mecs qui restent 10 ans sur des jeux, putain. Bon bah, celle-là je vais pas la faire, je crois. C'est une quête oubliée, ça. Bah vas-y, télécharge ce jeu là. Elle joue aussi ta femme, Henri. Elle joue avec toi, Arc. Vraiment charismatique, capitaine. Peut-être que c'est grâce à votre physique. Alors, Berne, c'est où Berne? C'est impressionnant. Bon, maintenant, on va au Berne. Des aventuriers du monde entier se rassemblent là-bas. C'est parti. Et peut-être que vous pourrez. Ah, tu joues pas, toi, Panda? Que vous voulez savoir. C'est bien pourtant de jouer. Animal Crossing. Ouais, paraît que c'est pas mal ça. Il paraît, hein. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, Henri? Il y a un côté flotte aussi, un côté marin. On peut enfermer toutes sortes de trésors. Là, je vais embarquer ce petit bateau là. T'as un système de zoning. Mais bon, ça va. Globalement, ça va. Saleté de pirate, il m'attendait. Une carte et un collier. Bon, bah c'est pas mal. Ma parole, capitaine, regardez! C'est une carte au trésor! Si vous suivez la carte au trésor, vous pouvez trouver un trésor des mers. Vous savez lire une carte, pas vrai? Suivre. Alors, la carte secrète. Qu'est-ce que vous attendez? Bah. Allons-y. Ouais.
Alors ça, ça va être où ça? Ça, c'est ça, non? C'est ça, non, c'est pas ça. Ça, c'est cette île-là, donc. Ah bah ouais, bah tiens, regarde, j'ai les points. Allez, on va aller chercher ça. Ouais, c'est juste à côté de moi, en fait. C'est la chasse au trésor façon tuto, là. Cette île minuscule au loin, c'est Hofer, l'île solitaire, perdue au milieu de la mer de Siena. Il y a là-bas un vieil homme qui connaît les moindres secrets de ces eaux. Maintenant, montrez-moi votre adresse à la barre. Direction Hofer. J'arrive sur une île solitaire, ah bon? Ah, on y est. Est-ce que c'est ici que la carte nous guidait? C'est forcément quelque part par là. J'ai du mal à m'arrêter là un peu, hein? Ouvrons l'œil. Je l'ai trouvé. Vous avez vu, capitaine? Il y a une aventure par ici. Oh, regardez. C'est une effigie de la déesse Siena, la sage et bienveillante. La déesse Siena, la calbra ou je rêve? Alors c'est à ça que ressemble la déesse Siena? Capitaine, j'aimerais pouvoir l'inspecter de plus près. Est-ce qu'on peut jeter l'ancre et aller voir? Voilà, sur une île. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, d'accord, avec des symboles insulaires, t'achètes des trucs. Augmentation de caractéristiques, etc. Donc ça, c'est quand tu découvres les îles. Donc là, pour l'instant, il doit y avoir 95 îles. Ouais. Ok. Allez, faut lancer ça. La petite vidéo. Ça me fait penser un peu à DS Hindou, là, tu sais. Je sais plus dans quel jeu il y a ça aussi. Ok, donc à elle, il faut lui ramener des symboles insulaires que tu gagnes sur les îles. Bon, bah, impeccable. Merde. J'étais vite là. C'était quoi la question? Bon bah c'est la première réponse la bonne en tout cas. Rien d'autre à vendre, hein.
Voilà, t'as toutes les îles. 91 îles, il y a. Bon, bah, ça va. Ok. Donc, attends. T'as 91 îles et 95 pour avoir cette structure que tu veux mettre chez toi, vu le petit thème ici. Donc, il en manque 4, là. Je sais pas comment tu fais. En parlant de chez soi, je vais faire un tour chez moi. Puisque j'ai la chance d'avoir récupéré une forteresse, n'est-ce pas? Vous êtes de retour. Je vous attendais. Certaines affaires méritent votre attention. Vous pouvez aller les consulter dans le bureau. Ça, c'est lequel je ferai après. Contrôle et 1 pour afficher ça. Et on va aller regarder si ça, c'est fini. Normalement, j'ai dû mettre dans le labo à rechercher le niveau 2. Station d'expédition, c'est-à-dire ça, ce qu'on vient de voir. Niveau 2. Et là, ça change quoi? Maintenant j'ai des petites quêtes qui sont sympas. Un jour, 4 heures, blabla. 2 pages. Un jour, 8 heures. Alors, les quêtes en 2 heures, elles ont disparu. Hein. Niveau 2, c'est fini. Donc navire, ici. J'ai 2 navires. On va peut-être prendre celui-là, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas la différence. Je sais pas trop. 31% sur 4 heures. Allez, c'est parti. En recherche, on va mettre quoi? Une chope de rhum. 21. La vache. 21 heures. What the fuck? 13 854 XP. Ouais. Bah écoute, moi je vais la faire à Shopton. Ah non, je peux pas. Coût de recherche 4000. Ouais, je peux pas encore. Ok. Ça c'est une île, 53 minutes. Ça c'est 5h20. Bon écoute, ça va le faire. Un seul étagère, tac tac. Ça me donne plus d'espace en fait. Dans mes banques. Je sais pas bien expliquer, mais ça le fait comme ça. Ok. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais peut-être le remettre. Plus une ligne ici. Donc ça veut dire qu'on aura une ligne de plus dans la banque, je pense. On verra ça une fois fini. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, ça sent ouais, ça j'ai lancé déjà la mission, je reçois. Ok, on peut faire des échanges ici. Parfait. Et là il y a le marchand qui change tous les 8 heures, je crois. Sans égal!
Voilà l'expression qui représente le mieux les marchands de Kuon. Donc les sauts que tu gagnes, ils servent ici. Ça, tu, par exemple, avec ça, tu peux monter la répute pour avoir de l'affinité. Ou avoir des paquets de cartes si tu en as, 3520, 12000 pour une carte, etc. etc. Ok. Je ne cherche plus rien là. Bon, bah, je vais reprendre le bateau. Go. Vous avez l'esprit vif, capitaine. Parfois, une aventure mène à une autre. Vous avez aimé ce qu'on a vu? Je trouve que le vieil Offer est un vrai sage. Qui aurait pu deviner que même les îles pouvaient être conscientes? Je me demande si c'est dû à Jiénard, la déesse de l'harmonie. Capitaine, j'ai hâte de voir quelles îles vous allez conquérir ensuite. On reviendra quand on aura des symboles insulaires. Souvenez-vous, c'est Offer, l'île solitaire. C'est pour ça que je trouve les voyages en mer. Je sais pas s'il y a beaucoup de Français sur le serveur. On ne pourra jamais dompter les océans. Je ne pourrai pas me retenir d'explorer la moindre île désormais, même pas la plus infime. Alors, capitaine, on met le cap sur le Berne, qui regorge d'aventuriers de votre trempe. Et elle a fini de parler. Moi, vous faites bon usage de la navigation automatique T et de la navigation rapide espace. Cap sur le Berne. Ok, ok. Donc, là, niveau 50, on a une barre d'XP qui continue à se remplir. C'est ce qu'il avait remarqué. Et cette barre d'XP là, en fait, je crois qu'elle va jusqu'à 55. Alors, je sais pas si c'est 55 ou 60. Je crois que sur les serveurs russes, c'est 55. Coréen, c'est 60. Donc, j'imagine que l'Europe, c'est 55. Mais je suis pas sûr. Là, il y en a une deuxième. Donc, c'est une deuxième barre d'aventure, on va dire. Qui se remplit plus difficilement. Et quand vous appuyez sur O, ça vous ouvre les niveaux d'expédition. Et à chaque fois que vous passez un level là-dessus, vous récupérez de l'extérité, de l'intelligence, etc. Et chaque tous les 20 levels, il y a un petit bonus supplémentaire. Et en tout, on a non pas 241, mais 250 niveaux d'expédition. En tout, voilà. Donc vous n'avez pas fini, hein, pour ceux qui aiment farmer, ils n'ont pas fini. Bon, on est arrivé à destination. Donc là, le l'ancre. Non, un marrage. Mon bateau est abîmé. Réparation. Vous le réparez, c'est que du pognon. Il n'y a vraiment rien d'autre. Ce qui n'est pas le cas sur les bateaux chez vous, il faut du bois. Et puis il faut de la ferraille aussi. Ici, vous pouvez modifier la couleur des voiles. Donc, moi, j'ai mis celle-là. Non, c'était celle-là d'ailleurs. Vous pouvez changer quoi comme vous voulez. Et ici vous avez les apparences de bateaux que vous pouvez débloquer dans la boutique si vous farmez suffisamment de diamants ou vous en achetez. Alors ça se farme. Hein. Quand on fait F4, on a la boutique qui apparaît. Ok. Et là vous pouvez acheter, vous voyez, c'est ces diamants-là qui permettent d'acheter tout un tas de petites choses. Moi j'en ai 1792, ici je tape navire. Apparence de navire, ce que j'ai pris c'est le champ vermédian, on va regarder le submersible S4, ici par exemple, voilà. Donc là, ça faut l'acheter, donc faut farmer ces petits diamants là, ou les acheter, hein, je répète. Et puis ça donne
cette apparence-là. Il n'y a pas de possibilité de voir le bateau avant de l'avoir acheté et installé. Ça donne un petit bonus aussi, comme on voit, niveau 1 en furtivité, niveau 1 itinéraire rapide. Après, il y a des niveaux, quand ça monte de niveau, je ne sais pas ce que ça donne, c'est pas écrit. Voilà pour la petite explication, pour les gens qui s'intéressent. Il y a des fois où les chargements ils sont longs, je sais pas pourquoi. Pourtant je tourne sur un disque dur NVMe, ça charge pas. Pression des fois c'est un peu. Ah ouais, il y a une vidéo aussi à charger, donc bon, ça explique peut-être. Bah, le temps de la vidéo, je vais me faire un petit café. On va la regarder ensemble pendant que je me sers mon petit café. Et moi je continue à me servir mon café. J'ai tout à portée de main, pas d'inquiétude, je pars pas un quart d'heure. Vous avez vu le petit personnage qui a une tortille là? J'adore ça. J'adore ça. Vas-y, fais une tête méchante, vas-y. Tiens la langue. C'est trop fort. C'est trop marrant ce personnage. À lui tout seul, on a l'impression qu'il fait la guerre, quoi. Ah ben, j'ai attrapé un truc au loin, c'est pour ça qu'il s'est couché. Bon. On a donc découvert un nouveau continent. L'arche? C'est quoi? On a la recherche des arches. Un artefact? Là, on va pouvoir la cacher cette quête parce que ça sert pas à grand chose. Est-ce que j'ai reçu du courrier? 13 courriers? Wow. What the fuck? Alors les Féons, je crois que ça sert quand vous envoyez une pièce de stuff à quelqu'un ou à vous-même d'ailleurs, je crois qu'il faut ça, les Féons, pour pouvoir les retirer. Ok, alors ici on a une besace de quoi? Vous voyez, je vous parlais des fragments, mais c'est pas les mêmes. Hein. Là on a des petits fragments. C'est pas les mêmes. Cela, c'est pas ceux qui vont vous permettre d'acheter le bateau. Faut pas confondre. Hein. C'est pas du tout les mêmes choses. Ok. Ici, on a de l'essence de bon. Donc, ça vous donne. Finalement, ça consomme deux fois plus d'XP, mais ça vous donne deux fois plus d'éléments. Vous allez deux fois plus vite pour farmer du bois, de la ferraille, de la chasse, etc. Ici, on a des coffres. Donc, encore avec des besaces de pierre à l'intérieur. Là, on a un choix à faire. Ok. Moi, ce que je fais, je les ouvre pas. Hein. Je les récupère. Et là, ça, c'est des besaces pour les gravures. Hein. Donc, les gravures, on en a parlé dans une précédente vidéo. De toute façon, on y reviendra. Hein. Puisque, de toute façon, j'en aurai besoin encore des Féons. Décidément. Ça, c'est ben, justement pour avoir le sort d'éveil, donc l'ulti. On a besoin, à chaque fois qu'on déclenche le sort, d'utiliser comme ça des fragments de chaos. Ça vaut 250 pièces d'argent. Donc des pièces d'argent, là, j'en ai presque un million, là. À chaque fois que vous en claquez une. Ça, c'est les Féons, vous voyez. Si quelqu'un me l'avait envoyé, il aurait peut-être fallu que je paye avec des Féons. Ok, j'accepte. Je prends. Ça, c'est ben, des grenades, des boucliers, etc. Qu'est-ce que j'ai là? Coffre d'objets de combat médical. On va le prendre. Là, j'ai de la teinture. Bah, là, j'ai des coffres. 10 coffres. Bon, il y en a 10. Avec des accélérations de fabrication, etc. Ça, c'est intéressant.
Moi, j'ai tout acquis. Ok, le problème, c'est que maintenant, mon coffre, ben, dans ma banque, c'est un vrai bordel, donc je vais essayer de l'arranger. Alors, je vais commencer par enlever le stuff qui me sert à rien, le vert, le bleu et le pic. Donc, deux pièces, hein, j'ai pas allé loin. Ensuite, avec votre animal de compagnie, si vous avez un abonnement cristalline, comme moi là, vous pouvez faire un contrôle clic droit sur votre animal et donc choisir les fonctions de familier. Et donc ça vous ouvre votre réserve personnelle. Alors comment ça fonctionne ça? Ici il y a la réserve d'expédition. Donc ça c'est partagé entre tous vos personnages, ce que vous pouvez mettre là-dedans. Et partagé sur tous vos persos. Ici c'est votre banque personnelle, là c'est des armes, et là c'est votre banque. Elle est limitée, et les slots qu'on gagne tout à l'heure, vous vous souvenez de l'expédition que j'ai lancée tout à l'heure, c'est pour débloquer ça. En fait, on va enlever par exemple le verrou ici, ou alors c'est celui-là, je sais pas exactement. Bon, enfin bref, c'est un des deux. On a un des deux. Et ce qu'on peut faire là, c'est glisser à l'intérieur tous les trucs dont on n'a pas besoin en immédiat pour faire un peu de vide dans le... dans votre inventaire en fait. Voilà, ici vous avez les fonctions de tri, etc. On y reviendra au fur et à mesure de toute façon. Donc les potions, comme ça on va peut-être pas les mettre, mais autrement les autres trucs, si ces potions là, énergie vitale, etc. Quand on les utilisera, on verra ce que c'est. Ces potions là, faites-y attention, celles qui ont du pourcentage, parce qu'elles sont lourdes à fabriquer, il faut de l'or pour les fabriquer après. Et donc faut ne les consommez pas à outrance, quoi, en vous disant ouais c'est pas grave, j'en ai plein, là j'ai 267 potions à 30%, croyez-moi que vous allez en avoir besoin par moment. Par contre celles là vous allez en trouver tout du long, ou vous pouvez les acheter au NPC. C'est des petites potions qui mettent des hottes, hein. Restaurer et PV, donc pendant 8 secondes vous allez gagner 1592 avec celle là et avec celle-là de 2608, encore une fois pendant 8 secondes. Moi ce que je fais, j'utilise en général toujours celle inférieure, de manière à en cramer le max pour avoir toujours celle supérieure un petit peu en avance, quoi. Ok, ça c'est les cartes au trésor. Alors moi perso, carte au trésor, vous voyez 225, moi j'en fais rien, je balance. Ouais, enfin là je peux pas balancer parce qu'évidemment la réserve est ouverte et donc j'ai rien d'un con. Je peux pas les balancer, mais normalement c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc les plans de navire là, ça vous gardez. Donc ça c'est pour construire des améliorations de navires et non pas des navires, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ces améliorations. Donc à garder bien précieusement. Ça c'est bien pour tous vos persos. Hein. C'est-à-dire quand vous avez construit des navires, tous vos persos les ont. Ça, on a vu ça, c'est les gravures, donc on verra ça plus tard. Un masque de lion. Je le mets en bas, ça me permet de me transformer. Enfin bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est rigolo, quoi. Là, j'ai des essences de bon, je croyais que j'en avais ici. Non, je sais pas les mêmes. Là, je vais la mettre de côté. C'est une aura cristalline que j'ai gagnée. 14 jours. Donc, 14 jours d'abonnement, en fait, au jeu gratos. Ça vaut 10 euros le mois. Donc, ça me fait 5 euros, ça. C'est pas mal. Et je l'ai gagnée, donc je la mets de côté. Et je la claque pas tout de suite, parce que si jamais, pour X ou Y raison, je me retrouve dans une situation où je peux pas jouer, ça me la consomme quand même si je l'ai ouvert. Tandis que là, je l'ouvrirai quand j'en aurai besoin. Ça peut se vendre à des PNJ. Ça fait du pognon. Hein. Des pièces d'or. À ne pas confondre avec les pièces d'or qu'on a. Ça se vend aussi au PNJ. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Honnêtement, je sais absolument pas. Ça, c'est des trucs de cuisine, mais je suis pas dans la bonne zone. C'est pour fabriquer, pour finir les zones, les pourcentages dans les zones, là, vous savez. Je vais vous montrer après. Donc ça, c'est pareil, c'est un collier. Je sais pas pourquoi il n'est pas éclaté. J'ai demandé de l'éclater tout à l'heure. Donc les féons,
Ça, je vais garder sur moi. Voilà, on va dire que ça, c'est des coffres de potions. Hein. Donc là-dedans, quand on prend ce genre de coffre, il vaut mieux prendre des potions qui ont des pourcentages. Il vaut mieux prendre 15 à 30% que... Enfin, vous pouvez prendre 10 à 45%, mais... moi, je préfère jouer avec des 30 en général. Il y a plus de potions, quoi. Ça me permet d'utiliser plus souvent. C'est très dur à avoir, sinon. Ok, le truc des pourcentages. C'est ici que ça se passe, les pourcentages. Là, quand vous faites un continent, vous avez un pourcentage de continent qui est fait. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai fait 36,2%. Donc, il y a des trucs de cuisine à faire là-dedans. Et la coquille d'œuf que je viens de vous montrer il y a 2 minutes, ça sert à ces trucs de cuisine-là pour certaines zones bien spécifiques. Donc, Arteline, par exemple, j'ai pas récupéré encore. Donc, ici, j'ai à récupérer. Donc, c'est gratos, tout ça. Hein. Une potion de sagesse qui va me donner 10 points de sagesse. Ok, je suis pas obligé de la récupérer avec ce personnage, hein, faut le savoir. Et ici, ça c'est un truc pour quand on va avoir de l'affinité, et ça va m'augmenter également la barre que j'ai ici. J'ai sûrement passé le level 22 d'ailleurs. Regardez bien, hop, je suis passé 22 et 35%. Voilà, et j'ai récupéré ça. Et ça, c'est où? Bah, c'est dans mes sacs. Hein. Ouais, tu peux faire en côte, tu peux faire un bateau style pirate. Ouais, t'as différents types de bateaux. Il y en a 5-6, ouais. Ok. Hein? Royan? Vous le trouverez là-haut. On va aller voir là en haut le personnage. Où courez-vous comme ça? Ça, je déteste ça. Passer d'un personnage à l'autre. Va parler à truc, va parler à machin. Ouais, merci Anto. Anko, pardon. Ça, c'est un réparateur. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du chien, là. On pouvait avec le petit chien, enfin, le chien ou le chat, moi, c'est un chat, ouvrir ça. Il y a plein de gens qui s'ennuient, là, parce que sur la version gratuite, vous pouvez pas le faire. Parce que même si vous avez un pet, vous pouvez pas l'utiliser. Donc, sur les cartes, comme ça, il faut chercher les coffres, en fait. Là, il y en a pas. Mais sur les capitales, il y a des coffres. Donc, je vous montrerai ça. Hein. Mais pour ceux qui sont directs... en train de chercher quelque chose, il y a des coffres, il suffit de les trouver dans les capitales. C'est un lien à un, tiens, par exemple. Donc là, vous allez là et vous allez avoir la même chose. Ça va ouvrir tout l'inventaire que vous avez, votre banque et l'inventaire commun de vos personnages. Alors, le marchand de potions, il vend quoi? Il vend des potions puissantes, c'est intéressant ça. 4003. Ah ben, 4003, c'est énorme. Hein. Là, je me gourre, j'appuie partout, je sais pas ce que je fais. Mais sinon, ça va. Donc là, ce que je vais faire, je vais virer celle-là. Donc, je vais lui les vendre. Parce qu'elles sont trop petites pour moi. Celles qui viennent de 2006, c'est les 50%, on va dire. Et je peux acheter quelques 4003. Donc, je vais les vendre. Donc là, quand je clique sur vendre, ça va me la vendre. Ok. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est à côté, vendre camel. En fait, c'est vendre Camelot. La Camelot, c'est ces petites choses-là. Vous voyez, il y a un petit icône, on dirait un sac. Ok? C'est de la Camelot. On clique, on vend. Hop. Voilà. Donc, acheter. Ben, je vais acheter ça, hein, des potions puissantes. Donc, clic droit et on a le nombre qui apparaît ici. Et j'en achète 38. Allez, hop. Ça me fait 3800, tu parles, ça m'a pas ruiné. Donc on voit que ces potions-là, ben, elles ont disparu, je les ai vendues. Hein. Donc maintenant je vais mettre celle-là. Et une fois que j'ai mis celle-là, je vais pouvoir mettre celle-là dans un autre emplacement si j'ai envie.
du style le 6. Donc celle-là, elle me donne plus. Et vous voyez, j'en ai encore une troisième chargée. Alors celle-là va me donner la moitié de ma vie, 2608. Donc elle va charger un peu. Hein. Quand je suis à 50%, c'est pratique à prendre. Je l'utilise à outrance, hein. C'est comme si c'était un heal. Celle-là, on ne peut pas les utiliser en même temps que celle-là. Donc il faut faire un choix. C'est soit celle-là, soit celle-là. Donc là, c'est si vraiment je prends un pet, hein, puisque 4312, il faut que ma vie elle soit là pour que je l'utilise, sinon c'est gâché. Par contre, vous pouvez utiliser celle-là, donne 30% de vie, peu importe la vie que vous ayez, hein, que vous ayez 5000, 20000, c'est pareil, ça vous donne 30%. Donc celle-là, toujours à avoir en raccourci. Vous pouvez utiliser celle-là, plus celle-là. Ou celle-là, plus celle-là, dans le sens où vous voulez, hein, on s'en fout. Donc il y a deux potions utilisables en même temps dans le jeu, et ça, c'est une astuce que tout le monde ne connaît pas. Voilà, voilà. Les cartes au trésor, j'en profite, je vais les balancer, puisque les cartes au trésor, ils level 200, bah moi ça me sert pas à grand chose. Hein. 225, 10 levels, ça me sert à rien. J'ai pas envie de les faire. Donc je vais les détruire. Je réorganise mon sac en cliquant ici. Et voilà. C'est pas belle la vie. Oh, on dirait que vous n'avez eu aucun mal à monter jusqu'ici en courant. Vous faites sûrement du sport. J'ai entendu un grand bruit d'arrivée. Alors, il faut encore que je cours sur un bonhomme. Là, il va me faire rentrer dans un donjon. Bon, allons-y. Allez, je fais le donjon, puis après je fais une pause. Je vais bouffer un truc après. Oh, le port! Que s'est-il passé? Un incendie? Je ne sais pas trop. Je vous laisse les petites vidéos. C'est notre chance. C'est l'occasion de faire fortune. Vous n'êtes pas content? C'est pareil. On voit rien avec la fumée là. Il y a des cadavres partout. Allez, je vais prendre ici. On suit la route, hein. Pour les gens qui débutent vraiment, on suit la route. Il y a les points, hein. C'est automatique. Arrêtez de regarder et ramassez. Il n'est pas mort qu'il va s'en servir, donc autant tout prendre. Pour l'instant ça va, ça leur fait mal. Hein. Pour l'instant. Alors moi je suis un paladin, c'est pas une classe qui a un DPS extrême. C'est une classe de soutien. C'est pas mal. Hein. Il reste des gens à l'intérieur. Je me suis bien amusé à le monter, mais par rapport à du DPS, il va beaucoup moins vite, quoi. Vous êtes un aventurier, vous aussi. Aidez-moi. Game over. Ah!
Henri, je te sens motivé pour jouer là, non? J'ai raté comme un boulet. Je te disais, je te sens motivé pour jouer à ce jeu. Enfin, pas aller là en haut. Il me faut casser ces trucs là. Merci infiniment. Hop là. Là, ça aussi, celui-là est à casser. Vous voyez, on a un petit point là au-dessus. On indique que c'est à casser en supplément du point qu'on a sur la minimap, évidemment, à droite. Ok, même pas obligé de tuer zombie, hein. Si tu veux passer, tu passes quoi. Et voilà. Petite animation qui va bien. Ces hurlements m'avaient manqué. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Garoum, créature née de mon âme et de mon sang. Que ton cri annonce mon retour. Eh ben. Donc lui, il a 5 barres de vie, comme c'est indiqué ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là j'appuie sur F1, je consomme une potion. Voilà. Quand je vous parle, c'est pas bien du tout en même temps. Voilà quoi, vous avez compris le principe. Je consomme une transe, moi. Tu fais là.
Je t'ai vu mourir. Je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Au combat du titan. Le chaos a jugé bon de me ramener à la vie. Mais il fallait me laisser, putain, j'aurais tué le dragon, ça me faisait un plaisir. Hâte de reprendre notre conflit centenaire. Garoum, patient. Nous ne sommes pas encore prêts. Est-ce que ça va? Bah oui, ça va, mon poulet. Je suis Tar, un chevalier. Il est assez joli quand même, le chevalier. Quel est votre nom? Non. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Les dieux soient loués. On fait tout l'enjeu, le guerrier, médecin, livreur. T'as tous les métiers. T'es jamais au chômage. On arrive du Lutheran pour échapper au chaos et voilà, sans beaucoup mieux. La lumière. La lumière a disparu. Ok. Je vous attendais. Ah bah, j'ai eu un petit collier en récompense. Ok. Je vais m'arrêter là. Je reprends le stream d'ici un quart d'heure, Henri. Un quart d'heure, 20 minutes, quand il me parle. Prenez vers l'est par la forêt et vous verrez un château. Je vais aller me mettre là. Allez, je vais manger un truc. Je reviens dans un quart d'heure, une demi-heure là. Merci à tous, à tout à l'heure.